Bonjour Hélène, premier, je veux dire, bah oui, 1er avril. Déjà 1er avril. C'est pas le jour de la blague. Oui, c'est le jour de la blague. Bon, en tout cas, c'est le jour des produits finis. On est samedi, donc j'ai le temps. Donc beaucoup de comida et quelques produits de beauté. Voilà. Bon, allez, on commence. Oh, je vais te passer l'aspi. Je vais repasser tout à l'heure. Du café. Mais ça, c'est. Je vais récupérer du boulot. Mais je l'ai payé avec mon chouchat, donc c'est pour moi. Du riz de chez Lidl, riz basmati. Je l'avais depuis un moment. C'est bon. Le fameux jus de pomme que j'avais acheté la semaine dernière à Lidl, 59 centimes, c'était très bon. Moi, je ne suis pas fan de jus de pomme à la base, mais bon, ça se laissait boire, comme toutes les conneries de Lidl. De Lidl, j'ai dit, Noz. L'avez vu dans le All Noz, Little Miracles, c'était très bon. À reprendre. Des pâtes chinoises de chez Transasia Anglette. Voilà, très bon. Ça fait le soir. Voilà, c'était très bon. Les bonbons achetés samedi, finis dimanche. Ouais, vous savez, les dos de crocodile Haribo? Ben voilà, c'est ça. En fin de compte, plus meilleur. Voilà, à reprendre si l'occasion se présente. J'ai fini hier soir, juste hier soir, des cotons à démaquiller Sienne pour les yeux. Parce qu'après, je mets des lingettes. Vous l'avez vu aussi. Macaroni and cheese, je crois que j'ai même un peu trop d'eau. Donc, la prochaine fois, il m'en reste un, donc j'essaierai de faire un peu moins la prochaine fois. Mais bon, c'est rapide pour le soir. Peut-être pour le boulot du midi, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est rapide, c'est fait avec de l'eau de la bouilloire, pas besoin de micro, etc. etc. On... j'en ai parlé dans le All Noz, comme quoi j'avais acheté un nouveau gommage. Donc j'ai fini aussi hier les Voulu Derma. Voilà. Je l'ai nettoyé. Oui, bon, c'était juste pour être bien sous la douche parce que le gommage, j'avais acheté, je sais pas, je crois que je l'ai dans ce hall-là, au fond, dans ce sac au fond, celui de Aesthetic Center qui était plus abrasif. Voilà, il était bien quand même. De la sauce, des tomates très très bonnes hein, pour faire ma compotée de légumes hebdomadaires. Des pâtes de Transasia comme d'habitude, rapide le soir. Voilà. Tourtel and Twist, que j'ai acheté donc la semaine dernière, au frais, c'est excellent. Bon, ben, je crois que je l'ai bu le samedi soir, je l'ai laissé toute la soirée. Après le haul, je l'ai mis dans le frigo. Voilà. C'est alcoolique. Un mélange asiatique, vous savez, avec des boules rouges, tout ça, d'apéritif, que j'ai acheté à grands frais. 1,99 les 220 grammes. Grands frais. Mais il était bon quand même. Du haul précédent, du haul du mois de mars, du début mars, les marmites bouillon de Knorr. Bon, ben, j'ai divisé par deux hein, histoire de gagner un peu de temps. Voilà, mais c'était très bon. Les pâtes, tout ce que vous voulez, ça changera pas. Comme ça sera fait. Discipline, rel deterrente, ropa blanca y de color, la pète en espagnol. Mais bon, il a fait son job. Là, je suis à Ariel, toujours acheté chez Noz. Des éponges achetées chez Noz, il fallait que j'en rachète, mais comme je ne vais jamais avec Nice, bonjour l'angoisse. Des pâtes achetées chez Noz, je crois que c'était du mois de février, donc 40 centimes les spaghettis, c'était pas mauvais. Mon père, quand je suis partie le 8 mars chez eux, il m'a fait deux, trois petites courses, comme tous parents, machin. Il m'a acheté un petit Nesquik, mais moi j'ai déjà 3-4 cuillères par matin. Alors, en 15 jours c'était fini. Je t'aime, papa.
Mais c'est un homme qui fait des courses. Ah non, c'est pas celui-là. C'était celui-là. Bon, voilà. Voilà, parce qu'il n'y a plus de recharge dans les. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de recharge. Donc, ben, donc voilà. Donc il a acheté ça. Il a raté ça. Je l'aime. Je sais pas quand je l'ai bu celle-là. M'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc de chez Noz de la semaine dernière. Vous connaissez. Je répète, j'adore les bières, donc j'aime bien en tester. Noz est là pour ça. Des pâtes de chez Noz aussi, du hall du mois de février, je crois. Oui. Environnement. Voilà, elles ont fait leur job. Alors, ça, c'est aussi du mois de mars. C'était pas mauvais. Donc, c'est des céréales complètes avec des pois chiches. Céréales integrales et garbanzos. Ça se mangeait. Voilà. Moi, je les mangeais chaud à la maison. Voilà. J'ai encore quelques-unes. Dégueulasse. Dégueulasse. Même frais, même chaud, même. Vraiment, il n'y a que ça à boire, je vois, mais sinon c'est dégueulasse. Acheté chez Françaisia pour la Saint-Patrick. C'est une boisson au thé vert. Vraiment dégueulasse. Voilà. Je ne rachèterai pas. Butin de Marie Blachère, de la boulangerie Marie Blachère qui est attachée à Grand Frais. Voilà, je l'ai mis là parce que j'ai adoré ce pain. Ça, c'est des spaghettis que quelqu'un m'a laissé à la maison. C'est des linguini numéro 7. C'est des pâtes, mais j'aime bien. C'est vrai que pas la texture, la grandeur, enfin la forme, enfin, c'était pas mal. C'est des spaghettis assez larges. Voilà, mais on ne sait pas pourquoi. Ça change le goût, même si c'est au beurre. J'avais acheté donc au hall du 8 mars, très bonne, les pommes bananes. J'ai des pommes que j'essaye de donner à ma copine Céline que j'arrive pas. Spargo, je sais pas, je les ai achetés, je crois que c'est chez Action que je les ai achetés celles-là. Oui, elles ont fait leur job de nettoyant toilette. Donc, la couleur que j'ai là, bon, pas cheveux lavés, et vous avez vu la vidéo de coloration avec ma copine Céline, donc depuis 17 février, 17 mars, 18 mars. Lingette démaquillante achetée chez Noz. Voilà. Elles ont fait leur job. Comme je dis, tant que j'en utilise pas 50. Produit vaisselle de chez Lidl. Elle fait le job. Moi, si je prends où je trouve, c'est peut-être Action, Noz. Les fameuses galettes au maïs de chez. Là, ça c'est chez Lidl. Voilà. J'en ai pris une, j'en ai déjà mangé un paquet, j'en ai déjà mangé 5 ou 6 ce matin. Peut-être chez Noz. Oui, c'est pas peut-être, c'est sûr, mais je ne me rappelle plus du goût. Ça n'a pas dû me traumatiser comme le thé vert. Donc, à racheter à l'occasion. J'ai acheté à. Vous avez vu mon haul Maxi China de décembre. J'ai fini à traer El Dinero. Attire l'argent. Je m'en rachète. Là, je suis sur Bonne Chance et Amour et Santal, toujours dans le petit paquet. Mais comme je travaille à l'extérieur, maintenant, je ne parfume plus à l'encens tous les jours. J'ai laissé ça. C'est le ticket, enfin, c'est l'étiquette d'un fromage que j'ai acheté à grand frais. À tuer, 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 tuer. Il ne fallait pas que j'achète. Il fallait pas que j'achète. Il n'a pas fait un repas. Voilà. J'ai fait donc ma cure de sureau. Encore, il en reste encore. Bon, ben, pour l'instant, je suis pas malade, donc ça fonctionne. Peut-être je rachèterai au mois de mai, histoire de pas trop être tentée de me mettre déjà en maillot de bain alors qu'il fait moins 15. Voilà. Croquant fondant de chez Lidl, j'en ai un pour le mois d'avril qui est juste derrière cette vidéo. Oui, c'est toujours aussi bon. Voilà. Mais j'ai ma collègue Turo qui fait un. Ce breakfast cake, il faudrait quand même que je m'y mette. Mais bon, c'est surtout la fainéantise. Spécial tea, je crois que je l'ai pris sur le All Note du 8 mars. 49 centimes, c'était très très bon, comme d'habitude.
Ah, mais je ne l'ai pas montré. Énorme le sac. Oreo, acheté chez Action. Enfin, histoire d'avoir. Je m'étais levée très tôt le matin. Donc, quand je suis arrivée à Action, j'ai fait mes courses et je me suis tapé un petit paquet d'Oreo. Pas bien. Du miel bio que je n'ai pas fini, mais que j'ai préféré jeter, entre guillemets, pour les gens qui viennent à la maison qui aiment le miel. Mais bon, comme j'ai pas beaucoup de monde qui vient à la maison qui aime le miel. Deuxième paquet de galettes de maïs. Ah, c'est ça, maïs, pareil, maïs, de chez Lidl. Les fameux shiitake où j'ai fait la recette, vous avez vu en vidéo. À cuisiner, c'était ça, c'était excellent ici, shiitake de toute façon. Oui, ça fait un peu le coulo, ce bruit-là. Des pâtes chinoises de chez Françaisia, voilà. Alors, le fameux quinoa nature. Alors, je pense que en fin de compte, il fallait pas le manger nature, il fallait peut-être le mélanger à quelque chose, à des légumes, etc. Moi, je l'ai mangé comme ça, mon premier jour de boulot. J'ai même pas fini, je déteste jeter et j'ai jeté. Voilà, j'aurais dû me méfier, faire ça. Bon, la prochaine fois que je le vois, je le reprendrai et je ferai avec des légumes. Une brosse à dents, ça dent. Un de mes derniers masques Action, je crois que j'en ai plus. Voilà, et je crois que j'en ai pas vu quand je suis allée le 8 mars au matin chez Action Orthès. Il n'y en avait pas. Alors, déjà, quand. Action en tête, c'est pas le plus grand action du monde, mais il n'y avait pas. Gel Evolutherm que j'avais acheté que j'avais montré dans mon premier haul à Noz filmé, ça devait être en février. Non, décembre. Décembre. Je finis ce mois-ci. Et là, je suis sur du Palmolive dynamique que j'adore. Un stylo qui finish. J'ai repassé la spine, c'est honteux. Carotte bio que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Le jour où j'ai récupéré l'ordinateur, ça devait être mardi ou mercredi. Mercredi, j'ai acheté à Casino, à Carrefour, puisque mon boulot de l'après-midi est à côté de Carrefour. Pas d'eau, rien, un goût. Alors, ça va, j'ai pas été transcendée par le goût de la carotte parce qu'elle est bio. Mais je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas d'eau, que ça soit chaque fois qu'on prend, même du Bon Duel, on prend et il y a 3 litres d'eau. Voilà. Ah, je ne sais pas qui c'est. Riz intégral et quinoa au pesto, c'était pas mauvais. Je crois, je ne sais pas si je l'ai mangé froid. Parce qu'au boulot de l'après-midi, sur le boulot du matin, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est Virginia YouTubeuse qui m'a répondu. Je vais. Voilà. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui pour ceux qui ne savaient pas. Donc, c'était pas mauvais. Donc, bon, le boulot du matin, il n'y a pas de micro-ondes parce que pour l'instant, on n'est pas installé très très bien. Déjà qu'on n'a pas internet, je crois qu'on a que ce week-end. Mais le boulot d'après-midi, on n'a pas de micro-ondes. Mon patron refuse d'avoir un micro-ondes. Voilà, c'est comme ça. S'il voit cette vidéo. J'adore mon patron d'après-midi. De la confiture bio à la fraise, j'achète régulièrement. On a dans quelques minutes. Alors, Green Balance de Yogiti. Parlant de Yogiti, j'ai goûté justement au boulot de mon après-midi, où j'étais hier matin, CQFD, suivez-moi, sinon vous vous perdez. J'ai bu du thé Yogiti au chocolat et menthe. Possible, pas possible. Alors, ça, donc, ça fait partie du fameux lot d'encens que j'ai acheté à Noz il y a quelques mois. Oui, ça sent très très bon. C'était vanille patchouli. Voilà. Ça, c'est un truc que je ne vais même pas utiliser. Parce qu'il a pris le chaud, le froid dans ma voiture. En cherchant un truc, je me suis retrouvé un truc que je m'étais acheté, mais où, je ne sais plus. Je crois que c'est Lush. Même à moi, je peux pas. J'ai fini une pelote de laine. J'en ai une. Là, je pense que c'est. Je pense pas qu'elle sera finie au mois d'avril, la pelote que je suis en train de faire.
parce que c'est une pelote de laine babou, l'équivalent de pour faire un pull. Donc, faire beaucoup de tours au niveau de mon écharpe de chômage, enfin, de chômage célibat. J'ai fini un crayon à papier. J'ai fini le skill des masques. Bon, j'en ai beaucoup dans mon backup. Je pense que je vais finir ce mois-ci le sienne. Mais de toute façon, j'ai le Elvira et ça va être essentiel, quitte à aller faire l'aller-retour, rien qu'à Orthez pour acheter l'Elvira. Je crois que maintenant, je ne me démaquillerai plus les yeux qu'avec de l'Elvira. Mais en tout cas, c'était très bien. Ou non, je crois que j'ai un skill des masques. Ma mère m'a donné, en tout cas, le backup. Hein, dès que j'aurai terminé, je vais faire le stock de l'Elvira. Voilà, skill des masques, et ça, très bon produit aussi. Et le fameux scrub de Aesthetic Center que j'ai payé quand même 17 euros. J'étais enfant à l'époque, qui m'a duré donc, on va dire, octobre à avril. Voilà, en alternant avec les Vivoderm. Donc, la vidéo produit fini du mois d'avril est terminée. En espérant que ce mois vous apporte tout ce que vous demandez, hein, comme chaque fois je vais le faire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Chez nous, enfin, au Pays-Bas, c'est la merde. Voilà, donc je mets déjà le premier produit fini dans le sac produit fini. Et en tout cas, pour ce genre de vidéo, je vous dis au 1er mai. Ça sera férié, donc je ne bosserai pas, c'est un lundi. Je ne sais pas ce que sera passé au mois d'avril, mais j'espère de bonnes choses. Voilà, donc gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.